Et c'est reparti. Pour 20 minutes, encore une fois. Les 20 dernières minutes de cette séance d'essai qualificatif. Et c'est parti. Oui, qui essaie de maintenir le tempo avec Mathieu derrière lui. Le premier tunnel, c'est Siro qui tire son épingle du jeu. Allez, le premier secteur acquis à la cause de Mathieu. 15.3, voilà, et tout acquis. 15.5 pour Siro, 15.8 pour Will. Et les autres sont au-delà des 16 secondes. Non, 15.7 pour Jérémy, pardon. Deuxième secteur, 24.1 pour Mathieu, également pour Siro. Siro qui s'empare du meilleur deuxième secteur de cette séance. Ça va sans doute se jouer entre les deux hommes, puisque Jérémy est à 3 dixièmes dans le deuxième secteur. Le troisième secteur, c'est Mathieu, 20.6. 20.8 pour Jérémy, perd encore 2 dixièmes. Et enfin, le dernier secteur. On va pouvoir comparer avec les résultats de Q1, 18.829. On est à 5 dixièmes pour l'instant des résultats finaux de Q1. Donc 184 millièmes entre Mathieu et Siro. Jérémy, t'as 8 dixièmes. Et t'as 8 dixièmes de Siro, pardon. Ouais, on voit encore cet écart entre le 3ème et le 4ème. Maîtrise n'est qu'à 2 dixièmes de Will. 15.2 dans le premier secteur pour Mathieu, 15.3 pour Siro. C'est deuxième et troisième secteur égaux. Égaux également pour Eltrist aussi. Ouh là, Eltrist qui nous sort un bon beau temps là. On ira du côté d'Eltrist juste après. Eltrist pour l'instant cinquième. Ah ouais, et en plus, Will s'est loupé. Will s'est loupé. Eltrist reste cinquième, une 21-0-56. Duff améliore, il est quatrième Duff, il est quatrième en 1.28.137. Zonkyo ne va pas améliorer. Malfi non plus. Allez, on va voir ce qui se passe du côté des leaders. Weltrist encore amélioré dans le premier secteur. Il fait des temps comparables à ceux de Mathieu dans le premier secteur, 16.1. Mais il est moins bon dans le deuxième secteur, Eltrist. C'est là qu'il perd un peu de temps. Mais il peut passer sans problème, Will. On va voir ce qui va se passer. Eltrist reste sixième, n'améliore pas, Eltrist. S24, il est 7ème pour l'instant. Oh, il ralentit à la bord de la chicane. Il améliore mais reste 7ème. Zonkyo. Ah, c'est possible pour Zonkyo. Ah, c'est dommage ça. Mais il améliore. Il améliore mais reste 8ème. Malfi restera 9ème. Voilà, tout le monde est passé au stand. En tout cas, les 5 premiers. Eltrist continue.
Va-t-il assurer ce chrono? Va-t-il assurer le chrono sur ce tour ou va-t-il passer au pit? Altrist a amélioré son deuxième secteur en tout cas. Chris continue. Mais il n'améliore pas. Allez, Mathieu et Siro, Jérémy est pas loin derrière. Allez, le tunnel est le premier secteur, juste derrière. 15.1 pour Mathieu, c'est mieux que Siro. Jérémy est en 15.4. Deuxième secteur en 24.0 pour les deux hommes, les deux leaders. Jérémy, 5 dixièmes derrière. Mais Siro lâche du lest dans ce tour, à moins qu'il fasse un quatrième secteur canon. Amélioration et meilleur record absolu, 1:18.371, oui. Mathieu améliore son chrono de Q1. Deuxième, Siro améliore, Jérémy améliore. Voilà. Et il y a de la couleur sur les trois premiers là. Oui, il améliore, passe devant neuf. Ça ne doit pas jouer à grand chose entre Will et... Ouais, 18 millième entre Will et neuf. Effectivement, ça se joue vraiment pas à grand chose. Alors, Eltrist, qui avait fait cette Q1 avec des pneus durs, malheureusement, passe au pit. Mais il a bien revêtu des pneus tendres pour cette Q2. Donc pas de soucis. Mathieu qui a pris un peu d'avance là sur Siro. Pas d'amélioration pour les deux leaders. Jérémy Topit. Duff a amélioré son deuxième secteur. Aïe aïe aïe, Will qui est parti voir en dehors de la piste. Aïe Will, quatrième, il améliore, 1:19.887. Amélioration d'S24, mais reste septième. Mathieu au pit, Siro au pit, Jérémy, lui, est
encore dans son tour de chauffe. Allez, la quatrième place, elle peut jouer là entre Wilduff et le Triste. Ça peut. Alors Duff est quand même à quasiment une seconde de Will hein, maintenant. Mais Eltris peut très bien aller chercher la cinquième place. Voire mieux. Allez, Duff s'est loupé. Hein. Duff s'est loupé. Alors, on a dépassé la mi-temps de cette Q2, donc on est dans le dernier quart de ces séances de qualification du Special Rally de la Montagne qui aura lieu jeudi prochain. Départ à 21h30 précise pour 90 minutes de course. Aïe 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 aïe, elle est triste. Dernière grosse difficulté, l'une des dernières grosses difficultés. Et il se plante là, attention à la chicane. Il n'y a sans doute plus rien à espérer. Non. Allez, les leaders vont terminer leur tour, leur tour de warm-up. Jérémy lui va en finir. Il va sans doute continuer, oui, avec des pneus d'œuf en difficulté encore dans cette dernière portion. Comme elle est triste, même endroit. Tout à l'heure déjà. Il avait fait pareil. Pas d'amélioration pour Jérémy. C'est pas mal ça de la part de Malfilu Vaupit. C'est pas mal de la part de Mathieu, pardon. Amélioration pour Mathieu, une 18-306. Pas d'amélioration pour Siro. Jérémy Hopit. D'accord. Alors, Duff également. Donc on va suivre peut-être ce qui se passe du côté de Will. Fait des temps très intéressants entre le deuxième et le troisième secteur. Elle essaie de se rapprocher des leaders. Et il améliore, oui, une 19-500. Oh, un beau 23.9 de la part de Siro. On y revient. On va voir ce que S24 améliore, mais reste 7ème, 24-879. Mathieu lui répond avec un 20.5 dans le troisième secteur. Oh, et Mathieu étonnamment au pit. Siro également. Ça sera le dernier essai hein, pour les deux hommes. Eltriste est dans son tour de chauffe. On va aller voir du côté de Will. Suivre la fin de son tour. Ah, le deuxième secteur est. Ouais, c'est là. Il perd pas mal de temps. Hein, le deuxième secteur où elle est en des leaders.
Exactement, une seconde 3 de retard sur le meilleur temps. Et Will Hopit. Pas d'amélioration pour S24. Pas non plus. Pour Zonkyo. Jérémy Lui est arrêté. Amélioration pour Malfi, mais reste dernier pour l'instant de cette séance de qualif. Il y a 8 dixièmes de retard hein, déjà sur Zonkyo, 8ème. Amélioration pour Eltris, 6ème, 1:21.056. 2 dixièmes de Duff. Allez, la chicane pour Duff. Pas d'amélioration pour Duff. Pas d'amélioration pour Will non plus. Pas d'amélioration pour Zonkyo. Mathieu peut-il encore enfoncer le clou? Il lui reste pour cela, eh bien, normalement, un tour maximum. Il enfonce le clou. Oh, et Siro également, 1:18.448. 2 dixièmes d'écart entre Siro et Mathieu. Duff au ralenti. Et Triste qui vient de... Oui, qui a fait une 20-370. Une 20-370 pour Eltrist. Il a frappé fort là, Et en fait, il a tapé en même temps que Siro, quasiment. Ça s'est joué entre les deux pilotes. Jérémy améliore, reste 3ème, 19-219. Allez, c'est le dernier essai, la dernière ligne droite pour Mathieu dans cette Q2. Une 18-0-96. Eltrist également, Eltrist reste 5ème, oui. Pas d'amélioration pour les deux hommes. Allez, Will, 4ème. Donc Eltrist est assuré de la 5ème. Place. Alors, Will est assuré de la 4ème place, a priori. Eltrist n'aura pas l'occasion d'aller le chercher. Alors, il est à plus de 8 dixièmes. Hein. Eltrist de Will, donc. Pas vraiment une match directe entre les deux hommes. Oh. Oui. Ah non, pas d'amélioration pour Will. Ah non. Ça aurait pu, mais non. Et un Mathieu qui tape quasiment plus de 3 dixièmes hein, par rapport au temps de référence de Q1. En tout cas, de très beaux temps dans cette Q2 pour les leaders. Jusqu'au bout. Bon, sur ce, il est temps de dire au revoir.
aux youtubeurs. Et oui, aux youtubeurs. Et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain, 21h30, pétante pour 90 minutes de course pour le Special Rallye de la Montagne. Merci. Allez, ciao, ciao tout le monde. Avant celui-là, t'étais à combien ? 378. Ouais. Ok.